Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la plateforme d'investissement Goliath. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour expliquer dans sa globalité comment fonctionne un produit structuré, qu'est-ce qu'un produit structuré, les avantages, les inconvénients. C'est vraiment important de connaître ce produit qui est très en vogue ces derniers mois suite à la hausse des taux sur les marchés financiers. Un produit structuré, c'est un produit financier qui va vous permettre de sécuriser soit une partie, soit la totalité de votre capital selon le produit qu'on offre, mais tout en offrant des rendements avec des taux qui sont bien supérieurs à ce que vous pouvez trouver à la banque du coin. Alors c'est des produits, c'est possible que vous n'en avez jamais entendu parler, parce que c'est normalement des produits où il faut des montants qui sont assez importants. On peut commencer à 50 000, 100 000, 200 000 euros, ou alors des montants plus faibles mais directement en assurance vie. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs sortes de produits structurés, mais aujourd'hui je vais vous expliquer les produits structurés que nous proposons sur Goliath seulement, parce que sinon ça peut partir très loin, il y a beaucoup d'informations. Et sur Goliath, on a choisi une sorte de produit structuré qui vous permet d'avoir vraiment un maximum d'avantages, mais au moins que ce soit simple pour tout le monde à comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Goliath, vous pouvez investir à partir de 150 euros. Chaque produit structuré va avoir des caractéristiques différentes. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionnent les caractéristiques, mais je vais d'abord vous les citer. Donc, vous avez les sous-jacents, donc des actions, des indices, ça peut être même des matières premières. Nombre d'années de détention du produit. Sur Goliath, on est entre 3 et 4 ans par produit. Vous avez une barrière de protection et la fréquence de versement. Est-ce qu'on va vous payer tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, toutes les années? Plus les caractéristiques vont être risquées, plus le rendement sera élevé sur le produit proposé. Alors, je vais vous prendre un exemple de produit qu'on a proposé sur Goliath. Ce produit, on est à 9% par an. On va prendre notre produit structuré automobile de luxe que vous pouvez retrouver sur l'application. Alors, vous ne pouvez plus investir parce que ça y est, il a déjà été clôturé. Et on l'a lancé il y a quelques mois, donc je vais pouvoir vous expliquer en détail ce produit-là et vous allez comprendre exactement comment ça fonctionne un produit structuré sur Goliath. Il y a une date dans le mois pour ce produit, c'est tous les 18 du mois. Nous allons regarder le prix des 3 actions. Si aucune des 3 actions n'a perdu 45% ou plus à cette date-là par rapport au prix où on a acheté le produit, eh bien vous recevrez votre rendement. Donc c'est 9% par an, ce qui fait 0,75% par mois. Donc si vous avez mis 1000 euros par exemple, eh bien vous allez recevoir 7,50 euros chaque mois. Alors sur le produit structuré automobile de luxe, des sous-jacents sont Mercedes, Ford et Volkswagen. Donc ça va être les 3 actions de référence pour ce produit. On a une barrière de protection à 45%. J'expliquerai bien sûr comment fonctionne la barrière de protection plus tard dans la vidéo et qu'est-ce que c'est. La fréquence de versement pour ce produit, c'est mensuel. Donc tous nos produits sur Goliath en général, c'est des versements mensuels. Cela veut dire que les rendements vont être distribués chaque mois. Une fois que vous avez investi, qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne? En revanche, imaginons que le 18 du mois, eh bien, une des actions, prenons Mercedes, a perdu 50%. Eh bien, vous n'allez pas recevoir vos 0,75% ce mois-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend toujours l'action la moins performante en référence sur les produits structurés sur Goliath. Dans le monde des produits structurés, on appelle ça worst off. Il y a également l'effet mémoire qui est vraiment intéressant sur tous nos produits. C'est quoi l'effet mémoire? Ça veut dire que c'est rétroactif. L'action Mercedes qui a perdu 50% le mois dernier, vous n'avez pas reçu votre rendement, eh bien le mois d'après, elle remonte au-dessus de la barrière de protection à moins 42%. Eh bien, vous allez être payé pour ce mois-ci mais également le mois précédent. Et c'est là où c'est hyper intéressant, parce que imaginez que pendant 6 mois, vous n'avez pas été payé parce que l'action Mercedes s'est portée très mal, moins 50, moins 60, moins 55, mais au bout du 7e mois, elle remonte et à moins 35%, parce que la barrière est à moins 45, même si elle remonte à moins 44, eh bien, vous allez être payé pour les 6 mois que vous avez manqué, plus le 7e mois. Donc, c'est assez intéressant, l'effet mémoire sur un produit structuré, et tous nos produits structurés ont l'effet mémoire. Maintenant, on va passer au remboursement du capital et à la protection du capital, qui sont deux sujets ultra importants évidemment. Ce produit est pour une durée de 3 ans. Donc automobile de luxe, que je prends en référence, c'est une durée de 3 ans. Donc pendant 3 ans, votre argent est bloqué, sauf si la banque rachète votre produit. Je vais vous expliquer c'est quoi le rachat du produit. Au bout de 12 mois, la banque peut racheter votre produit. Si au bout des 12 mois, les actions du produit coûtent le même prix ou plus cher, la banque va racheter automatiquement le produit et vous récupérerez la totalité de votre capital. Donc même si le produit dure 3 ans, il y a une possibilité que vous récupérez la totalité de votre capital avant cette date-là. Maintenant, que se passe-t-il si le produit dure jusqu'à la fin des 3 ans? Eh bien, on va regarder le prix des 3 sous-jacents, donc les 3 actions, Mercedes, Volkswagen, et la troisième sur ce produit, c'est Ford. Eh bien, on va regarder le prix des 3 actions.
actions. Okay. Et si les actions sont dans le tunnel et qu'aucune des trois actions a perdu plus que la barrière de protection, vous avez une action qui a perdu moins 20, une autre qui a perdu moins 30 et une autre qui a gagné plus 10, eh bien vous récupérez la totalité de votre capital. Même si les trois actions avaient perdu 44% chacune à cette date-là, eh bien vous récupérez la totalité de votre capital, donc 100% remboursé. Par contre, si une des actions a perdu 50% à la fin des 3 ans, les 18, 3 ans après, eh bien il y a un problème, vous allez perdre 50% de votre capital. Pourquoi ? Parce que ça a dépassé la barrière de protection et du coup, vous n'êtes plus sécurisé sur votre capital jusqu'à une certaine baisse. Voilà comment fonctionne la partie coupon que je vous ai expliqué, mais aussi la partie capital, et c'est des risques évidemment à prendre en compte sur un produit structuré. Et du coup, il y a évidemment des avantages et des inconvénients, et il faut vraiment comprendre avant d'investir sur un produit structuré comment il fonctionne. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs sur Goliath qui vont me demander, mais moi j'arrive à gagner parfois 7, 8, 10% en quelques semaines sur une action. Quel intérêt d'investir sur des produits structurés? Ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'entend sans arrêt, c'est que c'est très important de diversifier son portefeuille. Pourquoi? Parce que vous avez des moments où le marché se porte bien et des moments où le marché se porte mal. Le produit structuré, c'est un produit qui va vous permettre d'avoir des rendements très élevés par rapport à ce qu'on peut voir dans les banques et en même temps vous sécurisez jusqu'à une partie de votre capital. Nous aujourd'hui sur Goliath, pour l'instant, on ne fait pas de produit à capital garanti. C'est possible, on va en sortir prochainement, mais pour l'instant on n'en a pas fait. Vous avez des produits à capital garanti qui vont vous offrir du 5, 6% de rendement. Alors le rendement n'est pas garanti, mais le produit structuré, c'est un produit pour diversifier son portefeuille. Et aussi, vous avez des personnes qui ne veulent pas investir sur des actions pour X risques. Il y a des risques évidemment de perte de capital, il n'y a pas de barrière de protection, ça peut monter, ça peut descendre, etc. Sur des produits structurés, quand vous prenez des actions très solides sur le marché avec des barrières de protection à moins 40, moins 50%, vous avez des risques qui sont très mesurés. Et c'est comme ça que Goliath se positionne. Et aujourd'hui, nous avons financé à la date où je fais cette vidéo pour plus de 11 produits structurés. Donc on est à peu près à plus de 700 000 euros. Donc c'est vraiment une somme importante parce qu'on a commencé ça il y a quelques mois, et les personnes qui investissent aujourd'hui sur des produits structurés, 80% n'avaient jamais entendu parler de ce produit là et comment il fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les produits structurés sont beaucoup plus clairs pour vous. Attention à bien prendre en compte que je vous ai expliqué les produits structurés sur Goliath, mais qu'il y a plusieurs sortes de produits structurés. Donc si demain vous avez votre banque qui vous propose un produit structuré ou vous allez sur une autre plateforme, regardez bien les caractéristiques de comment ça fonctionne. Il y a des milliers de possibilités, mais vraiment beaucoup de possibilités de comment faire un produit. Il y a des centaines et des milliers de sous-jacents possibles et il y a beaucoup de caractéristiques que nous on ne fait pas parce qu'on a cherché la simplicité pour que nos clients puissent comprendre dès le début comment fonctionnent nos produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne YouTube et rendez-vous sur Goliath. Vous pouvez télécharger l'application sur le lien juste en dessous et on a un réseau social aussi pour vraiment comprendre et échanger avec la communauté. Vous allez pouvoir investir sur des actions, sur des matières premières, sur des produits structurés, sur des ETF et très prochainement sur d'autres classes d'actifs. Merci à vous, à très bientôt.